Alors, faites-vous un petit café et on va reprendre le Seigneur des Anneaux. Rappelez-vous, je vous avais expliqué les rings négatifs, très peu connus par la plupart des gens. Je vous avais expliqué le principe du standard IA, Protection Rings. Hein, je vous avais dit, ring 0, c'est le noyau, hein, le plus haut privilège. Ensuite, on a nos drivers, ring 1, ring 2, ring 3. Ring 3, on arrive à la couche applicative. Hein, avec le userland, celui qui a le moins de privilèges, et c'est censé sécuriser vos systèmes, hein, d'exploitation, et surtout la partie la plus critique, votre noyau, hein, le noyau qui tourne en très bas niveau et qui communique avec la couche physique de votre matériel. Le problème, c'est qu'il y a d'autres anneaux, hein, beaucoup moins connus, beaucoup plus secrets, même de la part des ingénieurs, même les ingénieurs d'Intel, je vous avais montré. Sur 4chan, sur 8chan, sur Reddit, puisqu'on peut poster anonymement, on a quand même des ingénieurs d'Intel qui nous ont prouvé qu'ils faisaient bien partie d'Intel via diverses photos que seul un ingénieur d'Intel peut faire, et ils nous expliquaient qu'il y avait un très haut degré de classification, que le FBI s'était renseigné sur sa petite vie, hein, qu'on l'avait passé au crible, comme on dit chez nous, et qu'il fallait un niveau d'habilitation militaire pour pouvoir travailler, notamment sur le Management Engine. Hein. Donc, je vous avais expliqué le SSM, le System Management Mode, l'hyperviseur. Maintenant, on va passer à la porte dérobée parfaite des agences de renseignement, l'Intel Management Engine. Alors, on avait vu ce principe de ring positif et de ring minus one, minus two, minus three. Le moins 1, je vous avais dit, c'est l'hyperviseur, hein, très critique. Moins 2, on a le fameux SSM, hein. Ça serait la porte dérobée de soit de l'agence de renseignement, soit de hacker étatique. D'accord? Et le niveau, celui qui est vraiment le seigneur des anneaux, car il est au centre, hein, c'est lui qui peut intercepter la crypto, c'est lui qui peut casser votre crypto, c'est lui qui peut sniffer vos paquets. Hein, puisque c'est un mini ordinateur, ce qu'on appelle un SoC, System on Chip, qui a sa propre pile TCP. Tu ne peux pas le contrôler, mais lui contrôle tout le temps l'ordinateur. Je te donne un petit exemple. Tu vas me dire, ouais, mais là, t'es parano. Ok, je suis parano. Tu éteins ton ordinateur portable, hein, si t'en as un à la maison. Enfin, tu peux le faire avec une tour, hein, et l'ordi est éteint. D'accord? Mais il y a une petite batterie qui permet de garder notamment les réglages dans ton BIOS. Okay? Branche un câble RJ45. Tu vas voir qu'il y a très forte chance que quand tu branches et tu débranches ton RJ45, même si le portable est éteint, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir les petites LED, hein, orange et verte, hein, ou jaune et verte, ou jaune et orange. Ça dépend des modèles. Tu vas voir, elles commencent à clignoter. D'accord? Ça veut dire que ton ordinateur est éteint, mais il y a quand même un mini-système qui permet de faire fonctionner une pile TCP. Okay? C'est-à-dire que, voilà, il est en veille. Il est en hibernation. D'accord? Il y a la mise en veille prolongée. Ces systèmes s'appuient, eh ben, sur des puces, hein, qui permettent de réveiller, comme on réveille ton téléphone, on peut réveiller ton ordinateur. On peut envoyer des paquets magiques, hein, et faire du wake-up LAN. Hein. Wake-up LAN, c'est je lance des paquets magiques craftés, qui vont venir réveiller l'ordinateur à distance. Alors, il n'y a rien de malicieux, hein? Mais encore une fois, on peut le militariser, tout ça. On peut s'en servir, tu l'as compris, pour réveiller ton ordinateur à distance. Je te laisse imaginer, pour des gens pour qui le métier est de protéger la nation, de se renseigner sur les gens, comment ça peut être, encore une fois, la porte dérobée ultime. Donc, on va parler, et je terminerai là. Ma série de vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos que je vous mettrai en description. On va essayer de comprendre qu'est-ce que l'Intel Management Engine, de façon très théorique, hein, puisque c'est la black box parfaite, hein, pour l'auditer, même les ingénieurs. Intel ne savent pas trop ce qui se passe. Hein. On pourrait faire l'analogie dernièrement, je ne sais pas si vous avez eu, il y a eu un article de Vice sur l'agrégation des données sur le recueil d'informations de Facebook.
et des aveux même, des ingénieurs qui travaillent, ils ne savent pas où part la donnée. Bon, les services de renseignement, naturellement, mais pas que. Donc, vous voyez, le système est tellement complexe, il y a tellement des strates, à la fois d'obfuscation, et puis on peut pas auditer, parce que c'est de la technologie qui est propriétaire, eh ben, on sait plus ce qui s'y passe. Même les gars qui travaillent chez Intel savent pas ce qui s'y passe. Et là, tu te dis, c'est quand même dangereux, hein? Mais en tout cas, pour une agence, t'es au chaud. T'es au chaud, pourquoi? Parce que t'es au milieu. Donc, je vais parvenir à ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos, mais maintenant, je vais vous parler du niveau le plus critique. Pourquoi j'ai retiré l'Intel Management Engine d'un de mes PC? Bah, pour pouvoir goûter à nouveau au prix, au goût, à ce doux goût qui s'appelle la démocratie. Hein? Sinon, tu as une part dérobée que tu ne peux pas retirer. Et quand bien même tu essaierais de la retirer, au fil du temps, Intel a tout fait, comme AMD, pour empêcher les utilisateurs de désactiver cette porte dérobée de la NSA. On leur fait un petit coucou. Hein? Donc c'est quoi cette histoire? C'est quoi cet engin, ce moteur de management? Alors, initialement, ça part d'une bonne idée. Hein, en entreprise, vous savez que on a ce qu'on appelle des nomades. Hein, on a des profils itinérants, on a des gens, des VRP, des commerciaux qui partent, hein, à l'étranger, qui partent en ville, qui vont dans des hôtels et tout ça. On s'est dit, ça serait bien qu'il y ait un système contre les voleurs. Hein, et si jamais le portable qui contient des informations critiques de l'entreprise vient à être volé, à disparaître, à être perdu, on pourrait, via Internet et un GPS, géolocaliser l'ordinateur. D'accord? Vous le savez peut-être pas, mais dans les ordinateurs haut de gamme d'entreprise, votre patron peut vous espionner, hein, de A à Z. Il peut activer la webcam, il peut activer les micros, il peut regarder ce que vous faites sur votre écran, il peut sniffer les paquets via une attaque de l'homme du milieu. Si vous utilisez le VPN de l'entreprise, il saura tout ce que vous faites, hein. Il peut activer, désactiver des composants critiques de l'ordinateur à distance. D'accord? Donc grosso modo, je peux géolocaliser où t'es et je peux désactiver et demander à l'ordinateur d'effacer la clé de chiffrement BitLocker. Hein? S'il efface la clé de chiffrement BitLocker, tout simplement, on peut plus accéder au disque dur. D'accord? C'est totalement chiffré. Donc pour une entreprise, on a vu tout de suite, hein, Intel a vendu ça et a dit, bah regardez, c'est un modèle anti-voleur, hein? Le VT Pro, etc. et tout ça. Donc c'était utile. Les entreprises ont kiffé. On dit, ah ouais, non, mais c'est génial. C'est génial. On a vraiment besoin de ça. Le problème, c'est que, je vous le répète constamment, toute technologie suffisamment avancée et indiscernable de la magie, certes, mais toute technologie peut être militarisée. Eh ben, le Management Engine, c'est exactement ça. C'est un système on chip, c'est la puce dans ta puce. Tu as un processeur, mais tu sais pas qu'il y a un tout petit processeur dans ton processeur. Il y a même plusieurs petits processeurs dans ton processeur. Et c'est gravé tellement finement que même au microscope, maintenant, c'est très difficile, hein, de voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Un microscope, un balayage, les strates sont tellement fines, on parle de quelques nanomètres, que on peut cacher, hein, c'est ce qu'a fait la Chine depuis le début des années 80. Ils ont dit, ah, venez, venez délocaliser chez nous. Pas de problème, les Américains, venez. Venez, Français, venez. On va, venez, Allemands, venez, n'importe qui. On va fabriquer pour vous. Les Chinois ont tout de suite compris que qui contrôle le silicium, hein, la silice qui permet de faire des wafers, ces galettes qui vont être lithographiées. Hein. On va utiliser des lasers pour graver vos processeurs qui sont partout, dans vos ampoules, dans vos tablettes, dans des contrôleurs de bord, d'avions de chasse, dans des tanks, ok? Dans ton iPad, dans ton iPhone. Toutes ces puces, tu peux mettre des portes dérobées matérielles. Qu'est-ce que l'Intel Management Engine, côté américain? C'est une porte dérobée qui est effrayante. Alors, le EME, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le PCH. Le PCH, tu dois le mettre à jour. Il a son propre firmware et il a son propre processeur. Incroyable. Hein? On appelle ça le Platform Controller Hub. D'accord? Donc, tu dois le patcher exactement comme tu patcherais n'importe quoi qui possède un firmware. Puisqu'il y a des failles. Hein. On a trouvé des failles sur le PCH, on a trouvé des failles sur le SSM, que je t'avais présenté dans les vidéos précédentes. Alors là, tu as bien compris qu'il y a un problème. D'accord? C'est comme si je te dis, bah écoute, toi, ton corps humain, tu as ton cerveau qui dirige,
hein, et qui ordonne, hein, au reste du corps. Et après, on te dit, ah ouais, mais attends, vous êtes deux dans ta tête. Tu le sais pas, t'es schizophrène, en fait. Tu le sais pas. Tu sais pas, mais il y a un autre toi qui fait des choses à l'insu de ton plein gré et tu peux pas le contrôler. Hein, c'est typiquement quelqu'un de schizophrène. Ils sont deux dans sa tête et il sait même pas qu'il y a un autre qui existe. Hein, mais de temps en temps, l'autre prend le contrôle et fait des conneries. Il fait n'importe quoi. Et puis après, l'autre, il revient à un état second. Hein, c'est l'autre moi qui reprend le contrôle. Mais ils savent pas qu'ils sont deux dans sa tête. Eh ben, l'EME, le Management Engine, c'est la schizophrénie informatique matérielle. C'est-à-dire qu'il y a une puce que tu ne peux pas contrôler, qui tourne constamment sur ton système, même quand il est éteint. D'accord? T'es constamment relié à la prise de courant. Même si tu retires la prise de courant, il y a une batterie, hein, d'accord, qui permet de maintenir les réglages dans ton BIOS. On peut détourner le courant pour alimenter ce mini processeur qui consomme très peu, mais qui permet, via du Mac, via une adresse IP, de gérer l'ensemble des périphériques, d'accéder à tes disques durs, de casser les clés de chiffrement, hein, et de péter, en fait, hein, toutes les couches de protection que tu pourrais ajouter, puisque lui, il est tout en bas. Il est au centre. Donc tu as beau construire des strates de protection, tu as bien compris que le cancer, c'est pareil. Si tu commences à avoir des cellules cancéreuses dans ton corps qui vont commencer à infecter d'autres cellules saines, eh ben c'est le début de la dégringolade. Hein. À terme, tu vas être métastasé, tu vas crever comme un chien. D'accord? Eh ben c'est pareil. Tu auras beau prendre des médicaments, tu auras beau quoi. T'alimenter bien, te couvrir l'hiver, mettre des manteaux, tout ça c'est extérieur, c'est la carapace, à l'intérieur il se passe des choses, hein. T'es en train d'être bouffé de l'intérieur. Et ben voilà, l'EME, je vous fais des métaphores très crues, c'est ça, c'est comme un virus qui bouffe de l'intérieur, qui est résident, c'est Resident Evil, hein. Resident Evil comme le jeu vidéo, ça veut dire le mal résident. Et ben l'EME, c'est le mal résident. Et quoi de cette histoire? Donc on est d'accord. Tu peux rerouter la batterie de ton téléphone pour qu'on puisse y accéder. Je vais développer. Hein. Je vous redirige vers l'excellent épisode. Alors, 40% de réel, 60% de fiction. Mais allez voir le Bureau des légendes. Hein, cette série qui vous montre le travail, à la fois d'un officier traitant, des espions qui travaillent sous légende. Et des analystes du renseignement, d'accord? Et on a un gars, c'est un petit geek là, il est tout le temps dans son laboratoire, et il arrive à rentrer dans les téléphones, il fait de la veille sur les réseaux sociaux, il fait de l'OSINT, il est capable d'analyser, de rétro-ingénierer des malwares, il rentre dans les téléphones, et il reroute la petite batterie du téléphone pour suffisamment avoir de jus pour contacter Malotru, hein, dans la série. Allez voir cette série, franchement elle est pas mal. Ça reste une fiction, mais il y a des petites vérités qui se glachent. En tout cas, le personnage du geek, j'ai oublié son prénom dans la série, est très proche de la réalité. Hein. En tout cas, de celle que moi je m'en fais, puisque je ne suis pas militaire, je travaille pas dans le renseignement. Je suis un pauvre civil, mais qui a accumulé des tonnes et des tonnes et des tonnes de documents sur cette profession. Donc voilà, l'EME, c'est la porte dérobée qui va pouvoir monitorer tout le trafic qui sort de ton système. Tu as bien compris qu'à partir du moment où tu as ce type de porte dérobée dans ton téléphone, dans ton portable, dans ton PC tour, hein, dans ton routeur, dans ta tablette, dans ton frigo, dans ce que tu veux, eh ben c'est un processeur invisible, d'accord? Invisible du processeur central. Donc, si on résume trivialement, ça veut dire que tu peux pas te protéger avec aucun type de logiciel, de solution matérielle anti-malware. Mais lui, à l'inverse, il peut inspecter tout ce que tu fais. D'accord? Il peut inspecter tout ce que tu fais avec ton ordinateur. Par contre, toi, tu peux même pas savoir si cette fameuse porte dérobée est utilisée. Hein? Et tu l'as bien compris depuis Assange, depuis Snowden. J'espère que tu t'es réveillé, hein, et que tu as pris conscience que tu vivais dans la matrice. Hein. Tu crois tout savoir
et tu t'es rendu compte que, bah ouais, mon copain, hein, tu vis dans la matrice. Il y a des choses qui te dépassent. Il y a un monde de l'invisible qu'on superpose à ton monde. Moi, je te le répète tout le temps. C'est exactement comme Néo. Donc ça, c'est la matrice. Hein. Cette matrice, on l'a appelée dans le jargon, hein, parce que certaines personnes adorent récupérer, faire de l'OSINT sur Intel. Et ça s'appelait High Assurance Platform. Hein, plateforme de haute assurance. D'accord? Donc ça a été développé peut-être pour les agences gouvernementales. En tout cas, on sait, et c'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de fumée sans feu, que les agences fédérales demandent à Intel de faire des versions de leurs processeurs, de leur carte mère, qui ne sont pas backdoorées, justement pour pas qu'on puisse utiliser ces fonctionnalités contre eux, pour toute l'Amérique fédérale. Les agences fédérales ont des versions spéciales. Les OIV, les acteurs d'importance vitale aux États-Unis, utilisent des versions spéciales, sorties d'usine, des processeurs et des cartes mères Intel, AMD également, qui n'ont pas ces portes dérobées. Alors, à quoi servent ces portes dérobées? D'accord? Et le problème, c'est qu'à partir du moment où tu commences à démonter l'OEM, ton fabricant, ton OEM, il va dire, attends, non, non, mais qu'est-ce que tu fais là? Le matériel ne t'appartient pas. Alors toi, en tant que citoyen, tu dis, attends, 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 j'ai acheté un ordinateur, le matériel m'appartient pas. Et là, le constructeur, l'OEM, te dit, attends, 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 légalement, juridiquement, tiens, regarde, relis les EULA. C'est quoi les EULA? End User License Agreement, accord de licence d'utilisateur final. Hein, tu es l'utilisateur final. Et là, si tu avais lu, mais tout est en anglais, hein, donc si tu es un bon français, déjà pour toi, c'est du chinois, puisqu'il y a combien de gens hein, qui sont polyglottes, qui parlent parfaitement, ne serait-ce qu'une langue. Pas beaucoup, hein, en France, on n'est pas très à l'aise. On est très bon sur certains points, on n'est pas très bon hein, dans les langues étrangères. Mais c'est en train de changer. Hein. Je converse en anglais, en espagnol, en russe. Parfois, avec mes abonnés. C'est assez incroyable. Ça me fait plaisir. Le français moyen remonte dans mon estime. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, si tu avais lu, il t'aurait expliqué qu'en fait, toute la technologie, tous les composants que tu achètes, ouais, l'ordinateur, il t'appartient. Mais c'est de la technologie propriétaire. Donc, de facto, toutes les puces qui sont sur tes cartes mères, ton processeur, à partir du moment où tu commences à les modifier, à faire de la rétro-ingénierie, tu es hors la loi, d'accord? Il y a des lois spécifiques aux États-Unis qui vous empêchent de faire de la rétro-ingénierie. Donc, quand bien même tu voudrais être un citoyen éclairé, un hacker, hein, hors pair, et tu veux commencer à comprendre comment on t'espionne, eh ben là, tu commences hein, à te battre contre le système. Hein. C'est quoi ce système? Eh ben, c'est des fonctions qui sont intégrées au sein du PCH. C'est les DRM qui permettent de vérifier que vous ne faites pas du piratage, que vous n'allez pas violer des licences. C'est le TPM qui gère l'ensemble de ta cryptographie, cryptographie qu'on pourra péter pour les parties concernées, pardon, puisqu'elles savent exactement où à attaquer. C'est le fameux Intel Active Management Technology, AMT, qui est implémenté depuis 2004 dans toutes les puces Intel et AMD. Tout ça, si tu commences à comprendre, à parler de ça, ok, ben tu vas pas te faire d'amis, hein, tu l'as bien compris. Mais je t'ai dit dans mes vidéos, moi, je m'en fous de me faire des amis. Je sais que je vais me faire plein d'ennemis. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent. Hein? Vous inquiétez pas, c'est pas aux singes qu'on apprend à faire la grimace. Mais en aucun cas, je vais fermer les yeux sur le fait qu'en démocratie, on a des technologies qui sont là pour t'espionner 24 heures sur 24. Que tu l'acceptes, t'as rien à cacher. Hein, t'es Madame Michu. Mais très bien. Ok? Mais après, viens pas me casser les couilles avec des dictatures du Moyen-Orient, avec le Maghreb, hein, qui espionnent ses citoyens. Hein, tu vas dire, regardez, regardez, regardez ce qu'ils font, c'est des autocraties, des. Hein? C'est pas des démocraties, mais regarde ce qu'on fait chez nous, mon copain. Ouvre les yeux. Arrête de vivre dans un monde qui n'existe pas. On fait exactement la même chose, mais quand c'est chez toi, petit Français, ça te choque pas. C'est quand même incroyable, ça. Hein? Combien il y a de gens qui ont ouvert les yeux sur le monde, la technologie, le monde du renseignement, depuis Snowden, depuis Assange? Combien il y en a? La plupart des gens, ouais, ça les a choqués une semaine, et ils sont retournés
dans leur routine moutonnière. D'accord? Parce qu'on n'a pas envie de voir la réalité. Hein, je te l'ai expliqué, la dissonance cognitive. Ça, pour critiquer la Russie, la Chine, hein, les théocraties, les autocraties, tout ça, on va dire, ah, regardez, ils espionnent leurs propres citoyens. Mais réveille-toi. Ton pays le fait. Et ça te choque même pas. T'en as rien à foutre. Tu vois? C'est ça le plus grave. C'est toi. T'en as même plus rien à foutre parce que t'as la tête dans le guidon, parce qu'on te fait peur, terrorisme, je dis, crise. Tout ça, c'est fait pour, je te dis, que tu sois dans une torpeur intellectuelle et que t'aies plus aucun regard critique, analytique sur la situation. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie d'esclave. Ok? Puisque tout ce que tu dis, tout ce que tu fais est enregistré. Là, en ce moment, tout ce que je dis, tout ce que je fais est enregistré. Et moi-même, je suis pas dupe. Ok? Mais je sais comment ça fonctionne. Du coup, je suis pas à me dire, ouais, je vis dans un monde de bisounours, en fait. Je sais très bien toute la technologie et comment on peut s'en servir pour faire du renseignement. D'accord? Et j'ai pas peur, honnêtement. Je vous ai dit, la vie, c'est un combat. Si vous vous battez pas pour vos idées, vos idéaux, finalement, vous êtes comme tous les autres, quoi. La vie ne vaut pas le coup d'être menée si vous n'avez pas un combat à mener. Mais c'est un combat psychologique, intellectuel. Le but, c'est de changer les mentalités. Mais bien comprendre que, au fur et à mesure que la technologie évolue, tes libertés se réduisent comme peau de chagrin au soleil. Donc, il faut comprendre toutes les vulnérabilités qui sont exploitables dans ME. Hein? On a beaucoup de mises à jour de firmware. Pourquoi? Ça corrige des ports dérobés. Okay? Et qui contrôle le SSM? Hein? Je vous avais dit, déjà, c'est extrêmement violent, puisqu'on va en pouvoir installer des bootkits, des rootkits. Mais encore plus haut, le Ring 3, c'est l'Intel Management Engine. Qui contrôle ça? Contrôle tout. Le SSM et tout le reste. Votre hyperviseur, votre ring 0, 1, 2, 3. D'accord? Alors là, tu vas me dire, ouais, mais pff, tu pars dans la théorie du complot, Satan. Tu sais, si on nous espionne, moi, j'ai rien à cacher, je suis un bon citoyen. Et puis, ça va peut-être permettre d'arrêter, tu vois, déjouer des attentats, arrêter les terroristes. En fait, moi, ça me dérange pas d'être espionné 24 heures sur 24, de marcher dans la rue, d'être filmé sans que j'en sois même conscient, qu'il y ait des algorithmes d'intelligence artificielle qui analysent ma démarche, mon comportement, ce que je dis sur Internet. Ok? Qui analysent ma voix, toutes les photos que j'ai postées sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai rien à cacher, je suis bien. Je regarde le foot, je bois des bières avec des potes, et tu sais quoi, je suis très bien dans cette petite vie d'esclave. Ok? T'as le droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de penser différemment que toi. Hein, tu l'as bien compris. Donc, je terminerai là. Faisons une petite synthèse. Tu as un processeur caché dans ton ordinateur. Tu n'en connais pas l'existence. Tu ne peux pas l'auditer. C'est en black box. C'est de la propriété intellectuelle protégée. Si jamais tu fais de la rétro-ingénierie, tu vas avoir des avocats au cul et tu vas finir en prison. Cool. Ah, on est trop bien en démocratie. Ces fonctionnalités qui sont implémentées en black box, ce sont des portes dérobées, non pas logicielles, mais matérielles. Elles n'ont jamais été documentées en source ouverte, de façon publique. Comment on sait ça? Parce qu'on a des lanceurs d'alerte, parce qu'on a des gens dégoûtés qui ont travaillé dans le métier, qui essayent d'éclairer la masse. Okay? Et quand je dis la masse, il n'y a rien de péjoratif. C'est juste, tu ne travailles pas dans ce métier. Tu ne connais pas ce monde, donc tu ne sais pas. C'est pas de ta faute. Encore une fois, je suis pas en train de déprécier les gens. Hein? C'est juste qu'il faut commencer à remuer la merde pour comprendre l'ampleur de cette merde. Donc, pareil, ça pourrait servir, bien sûr, à toutes les agences de renseignement des mondes civilisés, occidentaux, hein, de nos belles démocraties, chères et tendres démocraties, pour espionner le Pékin moyen. Ça permet d'avoir un accès illimité au processeur central. Ça permet d'avoir un accès illimité à tout ce qui transite par la mémoire. Ça permet d'avoir un accès illimité à toutes tes périphériques. Ça a sa propre adresse MAC, adresse IP, ça a sa propre pile TCP/IP
que tu ne peux pas voir, qui est totalement invisible pour toi. Mais eux savent exactement à l'inverse, effet miroir, ce que tu fais. Ça peut héberger un serveur web, sans que t'en sois conscient. Ça tourne tout le temps. Tu peux pas le désactiver, tu peux pas le couper, tu peux pas le modifier, parce que si t'as pas les compétences, et on est 1% sur Terre à savoir désactiver l'OME, et encore, je vous ai dit, c'est parfois une désactivation partielle, hein, pas totale. Sinon, tu te retrouves avec un processeur de 2004, 2005, 2006, 2007. À partir de 2007, ça devient très compliqué de désactiver l'OM. Et voilà, comme toute surface d'attaque, il y a des exploits qu'on va pouvoir utiliser, des vulnérabilités. Et si ce ne sont pas tes propres agences de renseignement qui s'en servent, un jour, ça sera une 0D qui sera découverte par une partie adverse, par un service de renseignement extérieur, okay? Par des cybercriminels. Et ça sera la porte dérobée qui va fragiliser l'ensemble de la cybersécurité. C'est pour ça que des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs en cybersécurité en ont marre de ces putains de portes dérobées matérielles. Parce qu'on est en train de fragiliser le colosse au pied d'argile, nos sociétés modernes, toutes digitalisées à cause de ces portes dérobées qui sont injectées dans les processeurs, dans les chipsets, dans les cartes mères, dans les modems, le broadband de ton téléphone. Tout ça ne fait que donner l'accès, faciliter l'accès pour certains, mais ça ne fait que rendre totalement trivial tout le concept de cybersécurité, de cyber-résilience, puisque bientôt ces portes dérobées, les services de renseignement vont se rendre compte que la partie adverse a fait exactement la même chose. Et c'est dans leur routeur, c'est dans leur cœur de réseau, c'est dans leur char, c'est dans leur jeep, c'est dans leurs avions, c'est dans leurs hélicoptères, c'est dans leurs sous-marins. Et là, à mon avis, ils vont un peu moins rigoler. Ils vont redescendre de leur petit piédestal et ils vont enfin penser que l'ennemi peut en faire de même. C'est l'esprit red teaming. Penser, qu'est-ce que va faire l'autre, hein? Donc voilà, il y a toujours un regard critique. Il y aurait tellement à dire, hein. Il y a des gens, des hackers qui cherchent à désactiver l'OME depuis des années, mais on voit, et ça c'est factuel, que Intel comme AMD, tous les fabricants font tout pour que ça devienne de plus en plus obscur et qu'on ne puisse pas modifier le microcode. D'accord? Donc je développerai des sujets. Il y aurait beaucoup à dire encore une fois. C'était une petite mise en bouche. Vous parlez du Seigneur des Anneaux, hein. Vous connaissez les Seigneurs des Anneaux, ce sont les agences de renseignement. Je vous dis toujours, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Donc pour toi, petit moldu, hein, c'est de la magie noire, d'accord? Pour les magiciens, pour les agences de renseignement, pour eux, c'est extrêmement trivial, ok? De faire tout et n'importe quoi avec ton ordinateur, ton téléphone, tout ce qui est relié à Internet, tous les IoT, en fait. D'accord? Une fois que tu as compris ça, tu modifies, hein, tes stratégies, tes techniques, hein, tu accrois tes connaissances et d'un acteur passif, tu commences à t'intéresser à la technologie, hein, de ta vision de citoyen, de petit citoyen, tu essayes, hein, de comprendre quelle est la finalité de tout ça, te poser des questions, pas rester dans ta petite bulle. Donc voilà, hein. Il y aurait beaucoup à dire. Je vais terminer sur le microcode, hein, puisque ça sera omniprésent. Et puis comprendre un petit peu comment ça fonctionne. On fera d'autres vidéos, je crois. Je vais installer d'autres vidéos parce que c'est un monde invisible et je vous ai dit, vous avez tout intérêt à comprendre tout ça. C'est vraiment l'OME, l'ESSM, c'est vraiment à terme des technologies qui vont être de plus en plus militarisées. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc le microcode, si on en revient, vous allez me dire, ouais, ok, t'es gentil avec tes concepts abscons, mais bon, t'es en train un petit peu de me saouler, et puis en plus je sais même pas de quoi tu parles. C'est quoi un microcode? Le microcode, en fait, ça, comment vous expliquer? On va faire très simple. Dans la plupart des processeurs aujourd'hui, vous avez des instructions, hein, du opcode, du code machine, qui sont câblés directement dans les circuits pour des performances. J'en parlais avec mes ouailles,
Hein? Je leur disais, écoute, intéresse-toi hein, à l'ALU, au CPU, intéresse-toi au coprocesseur arithmétique. C'est là-dedans qu'on pourra quoi? Câbler. Câbler de la logique. Hein? La logique, elle peut s'effectuer sur le plan logiciel, elle peut s'effectuer de façon hardware. D'accord? Donc, on a une série d'instructions hein, qui est utilisée, du MNX, de l'AVX, AVX1, 2, 3, du SSE, SSE1, SSE2, SSE3. D'accord? On a plein d'instructions qui sont codées en dur, et je vous avais toujours expliqué que c'est des petites séquences de microcode qui vont permettre de faire des opérations complexes en rationalisant l'algorithmique. Hein, tu sais qu'en algorithmie, quand on prend un problème complexe, on le divise en sous-étapes, c'est le principe de l'algorithmique, et on va pouvoir traiter ce problème complexe en faisant une succession d'opérations très simples. Plutôt que les émuler de façon logicielle, on va le faire via des circuits, de la circuiterie, hein, des portes logiques, les logic gates. Hein. Donc pensez que cette façon, certaines instructions en langage machine, en fait, sont directement exécutées par les circuits du processeur, tandis que d'autres instructions de langage machine peuvent être divisées en instructions plus simples. C'est les fameux microcodes, d'accord? Afin d'être exécutés par les mêmes circuits du processeur. Donc ça, il faut bien le comprendre. Dans l'architecture Intel, on a le microcode d'un processeur donné qui est gravé dans une ROM, en fait, directement sur le processeur. D'accord? Ce microcode peut être mis à jour par des packages spécialement préparés par Intel. Toutefois, ces mises à jour de microcode ne modifient pas directement la ROM. Hein. Elles sont stockées dans une SRAM, c'est-à-dire de la RAM à très haute vitesse, sur le processeur. La SRAM, elle est volatile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétention de données. En tout cas, si elle est alimentée, elle peut stocker quelques bits de données, mais généralement, hein, dès qu'il y a une mise à jour du microcode, elle est réappliquée et à chaque redémarrage du processeur. Donc, elle stocke en partie, mais elle est volatile puisque à chaque réinitialisation, elle va repartir de zéro. D'accord? C'est de la mémoire cache à très haute vitesse. Le problème, c'est quand on commence à s'intéresser à la documentation Intel, tu vois, moi, quand je fais caca, je te le dis toujours, hein, j'adore prendre la documentation Intel quand je suis aux toilettes, ça me détend, et j'essaie d'en apprendre un peu plus sur le monde qui m'entoure, tu vois, j'ai que ça à faire dans ma petite vie de merde, d'accord? Et on essaie de comprendre, on voit que la documentation Intel dit que si le processeur du AME, cette fameuse puce qui t'espionne, eh ben, elle a également des mises à jour de microcode. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle reçoit également à distance, via la pile TCP que tu contrôles pas, des mises à jour. Mais qui pousse ces mises à jour? Si c'est pas Intel, c'est qui? Hein? Je te laisse réfléchir. Ça commence par 3 ou 4 lettres, en fonction du pays où tu habites. Revenons à notre noyau. L'anneau, le noyau, le microcode se trouve directement sur le silicium du processeur. Hein? En termes d'espionnage, c'est le top du top, c'est le saint graal. D'accord? Je vous ai dit, on essaie de taper en le plus bas niveau possible. Sauf que, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, en tant que geek, on se dit, ok, il y a la partie logicielle, il y a la partie matérielle, mais après le matériel, il n'y a plus rien en fait. Hein. Après mon RIM-3, il y a quoi? Il y a le ME, et il n'y a plus rien. Ben non, tu oublies. Il y a encore un ring moins 4, il y a encore un ring moins 5. Ok? Je t'ai dit, c'est un monde invisible. On t'en parlera jamais. Donc, le moins 4, c'est le microcode, et tu l'as sous les yeux. Le royaume des royaumes, c'est le silicium. D'accord? Au niveau du silicone, on peut intégrer directement du microcode, d'accord, qui va tourner sur le silicium du processeur. Le silicium, c'est ni plus ni moins qu'un dérivé du sable qui permet de faire ces galettes de processeurs, ces wafers, okay, qui permettent de graver vos processeurs. D'accord? Il fait partie intégrante du processeur lui-même. D'accord? Et c'est dans des strates qui sont totalement invisibles puisqu'on multiplie, aujourd'hui un processeur, c'est une trentaine de strates. D'accord? Le PCB que tu vois quand tu touches ta carte mère, quand tu prends dans tes mains ton processeur,
Toi, tu vois, il fait quelques millimètres de hauteur. Mais si tu décortiquais tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des couches, des surcouches et de nouvelles couches, hein, qui vont s'imbriquer. Et on avait des portes logiques. Maintenant, on empile ces fameuses portes logiques, ces logic gates. Hein. C'est le principe d'impression 3D au niveau des logic gates Intel. Hein. C'est Intel qui a commencé à travailler là-dessus, et puis AMD a lui a pris le pas. Donc ça permet de superposer, hein. C'est un principe de superposition de portes logiques qui vont permettre, bah, de réduire la surface du die. Le die, DIE, c'est tout simplement la taille de la puce. Et vous savez que en fonction de la lithographie qui est utilisée, des moyens d'impression des processeurs, eh ben, plus c'est gravé finement, plus généralement la taille du processeur est réduite. Hein? À l'inverse, on peut graver beaucoup plus finement. On va avoir des milliards et des milliards et des milliards de transistors, hein, au millimètre carré, et on peut faire des processeurs beaucoup plus complexes. Hein? Un meilleur exemple, c'est par exemple chez Nvidia, la RTX 3090, 4090 qui va sortir, et tous les sous-modèles. On réduit au maximum en nanomètres la gravure. Maintenant, on parle de 5 nanomètres plus, on parle de 8 nanomètres, de 7 nanomètres. Hein. Et à un moment, on va arriver à une limite physique, hein, puisque là, on est en très bas niveau. On ne pourra pas graver au-delà de 2, 3 nanomètres. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas les processus pour le faire. D'accord? Donc c'est bien, on économise moins d'énergie. Mais en même temps, tu peux faire des systèmes encore plus complexes, avec encore plus de transistors, avec encore plus de portes dérobées directement intégrées dans le silicium. OK? Et ça, les Chinois l'ont bien compris. D'accord? Donc, la façon dont le microcode est mis à jour est l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Il n'y a pas de théorie du complot. Tout est sous vos yeux. Il suffit de chercher. Okay? Les mises à jour, elles sont chiffrées et signées numériquement plusieurs fois. D'accord? Donc on a ce principe de certificat auto-signé. Hein? Donc c'est complexe, mais encore une fois, un insider, quelqu'un qui a travaillé chez Intel, eh ben peut être à même, hein, de faire de la rétro-ingénierie sur ces technologies et peut-être servir le camp adverse, peut-être devenir un cybercriminel qui demain va pouvoir contrôler ces portes dérobées dans votre matériel. D'accord? Il n'y a pas que les agences de renseignement, hein. Il y a d'autres personnes qui pourront faire du renseignement sur votre petite personne. Et c'est des menaces persistantes, résidentes, avancées, invisibles. Là, ça devient très dangereux. Okay? Donc, on trouve aucune preuve que le format exact du package a été mis à jour. Et de toute façon, il n'a jamais été rétro-conçu, rétro-ingénierie avec succès, hein. On commence à comprendre une partie du management engine. Ça fait plus de 10 ans que je planche là-dessus avec mon petit cerveau. Et on est des centaines, on est des milliers de hackers. On est des ingénieurs qui en ont marre de ce monde de merde, hein, qui s'intéresse à cette technologie qui est très prisée, hein. Donc il faut bien comprendre que si je pouvais éventuellement falsifier le microcode d'un processeur, c'est game over. D'accord? Une telle attaque serait selon toute probabilité indétectable, hein. Donc le microcode, c'est le ring moins 4, hein, théorique, ok, et on n'en est pas sûr. Je t'ai dit, c'est comme Alice qui va dans le trou avec le lapin dans le terrier et qui descend d'un monde à un autre monde à un autre monde jusqu'à rencontrer le chapelier fou, la reine qui est complètement tarée. Hein, c'est tout un monde qu'elle ne connaissait pas. Pourquoi on vous fait la métaphore dans Matrix? Tiens, suis le lapin blanc. Viens, je vais te montrer un autre monde. Et n'oublie pas, la seule chose que j'ai à t'apporter, c'est ce que dit Morpheus à Néo, c'est la vérité. Uniquement la vérité. Tu veux pas me croire? Tu veux rester, prendre la pilule bleue? Prends la pilule bleue. Tu vivras dans un monde de rêve merveilleux. Okay. Tu veux voir le monde, comment il fonctionne, comment on t'espionne, les secrets dans l'informatique, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne vois pas, mais que tu pourrais comprendre si tu te donnes les moyens, en partie, hein, puisque
on n'est pas non plus des génies, enfin moi je le suis pas. Et ben voilà, prends la pilule rouge et viens avec moi. Je vais te montrer un monde qu'on superpose à ton monde, ce monde de l'informatique que peu de gens connaissent et qui permet de la militarisation de vos vies, ok? Qui permet l'espionnage de masse à une échelle qui n'était même pas possible à l'époque des pires dictatures, type communiste, type maoïste en Chine, hein? On s'est battu pendant la guerre froide pour pas avoir des systèmes totalitaires. Ces mêmes systèmes qui se battaient 50 ans plus tard contre le régime soviétique utilisent les mêmes techniques que l'Union soviétique, que la Stasi. Et je mâche pas mes mots. Ça vous plaît pas mon discours? Je suis désolé. C'est que la stricte vérité. Vous voulez pas voir la réalité en face? Vous pensez que ça va arriver qu'aux autres? Aux dictatures? Eh ben, vous mettez bien le doigt dans l'œil. Et voilà. Donc Intel a plein d'autres niveaux de privilèges conceptuels. Entre le ME et le microcode, on parle de monde anneau. Je vous fais tout le temps la métaphore, le ring, le seigneur des anneaux. Mais en fait, le microcode, il est tellement proche de la couche physique qu'en fait, on peut l'appeler l'anneau pas moins 4. On peut l'appeler l'anneau moins l'alpha et l'oméga, l'infini. D'accord? C'est l'infini total. En fait, on ne sait pas. C'est tellement profond que c'est un black hole. C'est un trou noir. Hein? C'est à la fois, bien sûr, une black box, mais c'est aussi un black hole. Parce qu'on ne sait pas combien il y a de privilèges dans le microcode. Et je te fais la métaphore, la fourmi a l'impression, elle, d'être à l'échelle macro. D'accord? Elle connaît toutes les autres fourmis et elle se dit pas qu'il y a des micro-organismes qui vivent au sein d'elle. Hein? Pour elle, elle connaît qu'une échelle. L'être humain également, on ne connaît qu'une échelle. Enfin, plusieurs, mais qui le dépassent. Il y a le micro, il y a le macro, il y a le quantique. Mais comme la fourmi ne discute, interagit qu'avec les autres fourmis. Elle ne sait pas qu'il y a l'être humain qui la regarde et elle est minuscule. Elle se dit, regarde, je fais 1,80 m et je me déplace avec mes petites pattes. Hein, et puis j'ai une vie bien structurée, organisée. Je vis dans une société de fourmis. Tu vois, elle connaît que ça. Vous êtes les fourmis. Il y a que ça que vous connaissez. Votre petit monde. Hein, quand on s'intéresse au quantique, au microscopique, on se rend compte de nos propres ignorances en termes de connaissances. Eh ben là, c'est pareil. Je te fais des dessins. Je te parle du ring quoi? Ring 3, ring 2, ring 1, ring 0, ring moins 1, ring moins 2, ring moins 3. Eh ben, il y a un autre monde. Parce que si ça se trouve dans le silice, dans la silice, le silicone, dans le microcode, il y a d'autres niveaux. Il y a peut-être un moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 20, moins 100, moins 1 000, moins 1 million, moins 1 milliard. Tu ne sais pas. C'est totalement obscur. D'accord? Mais toi, tu vis dans le userland et la petite fourmi dans le ring 3. D'accord? Et un jour, il y a des gens qui se sont dit, Planck, Einstein, on va s'intéresser à la mécanique quantique. D'accord? Et tu te rends compte qu'à l'échelle quantique, c'est-à-dire le ME, le microcode et surtout la silice, le silicone, eh ben, c'est le monde quantique. C'est tellement petit. Il y a tellement des interactions qui sont changeantes, qui n'ont rien à voir avec les règles établies que toi, tu connais dans ton ring moins 3, moins 2, moins 0, 0, que ça te dépasse. C'est un monde que tu ne comprends pas. D'accord? Les règles qui s'appliquent dans ce monde-là, exactement comme la théorie quantique, tu ne peux pas les comprendre. C'est tellement complexe et obscur. Et les gens qui contrôlent cette technologie ont tout intérêt à ce que ça reste ainsi. Voilà. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, quelle menace de sécurité? Est-ce que je dois m'inquiéter? Mais non, t'inquiète pas. On est là pour te protéger, on n'est pas là pour t'espionner, tu le sais bien. Donc les trois anneaux négatifs discutés, hein, sont sujets à l'exploitation. Vous savez comment les hackers, on passe notre temps à se balader entre le kernel land et le user land, et vice-versa. Comment on peut militariser ces couches, la couche ring 3, 2, 1, 0. Cependant, certains anneaux sont plus potentiels, hein, ont plus de potentiel à exploiter que d'autres. Vous savez que le ring 0, bah, ça sera notre préféré. D'accord? Mais pour comprendre et découvrir l'exploitation de l'un des anneaux négatifs, c'est
parfois de détecter le trafic des réseaux générés, hein, lorsque l'exploit téléphone à la maison. Le problème, c'est que s'il utilise une pile propre, tu ne verras même pas les appels, tu ne verras pas les communications. D'accord? Puisque ces communications TCP sont encapsulées au sein de tes propres communications TCP. Ils se servent de ton trafic, du trafic que tu génères quotidiennement dans ton ordinateur pour exfiltrer des informations sur toi. Tu le vois pas. Ok? Pose-toi des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que tu as à cacher? Est-ce que tu es prêt à livrer ta vie à des gens que tu ne connais pas? Encore une fois, en termes philosophiques, je te laisse méditer. Politique. L'hyperviseur, on en a parlé. Les attaques d'hyperviseurs sont relativement plus anciennes. La puce se lève. C'est pour ça que je vous disais là sur le Discord. Vous savez pas qu'une VM peut vous pirater. Vous pensez, encore une fois, votre modèle de menace, c'est ce que vous savez. Hein. Mais les plus célèbres des premières attaques, c'est l'attaque qu'on appelle Blue Pill. Blue Pill, pilule bleue. Hein. J'étais quoi? Je t'ai parlé de Matrix. Ça va, ça commence à se connecter dans tes neurones? Sur la technologie de virtualisation AMD, qui a été portée pour exploiter également la technologie Intel. On a trois types d'attaques de base qui exploitent les technologies de virtualisation. Donc quand tu me dis, oh, moi je fais des machines virtuelles, il peut rien m'arriver, tu me fais beaucoup rigoler. Je me dis que tu sais pas grand-chose, comme la plupart des jeunes à ton âge. C'est pas grave. Je suis pas là pour t'apporter la vérité comme Morpheus, juste pour te donner des axes de compréhension et des prismes de lecture pour toi-même, faire tes propres recherches. Ne prends pas pour argent comptant ce que te dit saltimbanque. Saltimbanque est comme toi. Il a ses biais cognitifs, son interprétation du monde. Ok? Mais là, je te donne des exemples factuels. Après, il n'y a qu'à toi d'aller chercher. Donc, on peut faire des injections d'hyperviseurs où on a un système d'exploitation qui va s'exécuter sur du Hyperbone, hein? Sur un hyperviseur. Pourtant, on dit, ah, ben ouais, regarde, moi, j'ai ma solution cloud. C'est du bare metal et tout. Ça pète. En fait, c'est un rootkit qui est basé sur une machine virtuelle. Ça s'appelle le VMBR. Incroyable. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Attaque de l'homme du milieu. Oh, j'ai un, venez sur notre cloud. On a une superbe solution de serveur bare metal. Le plus sécurisé au monde. Eh, connard. Le VMBR, qu'est-ce qu'il fait? Il s'intercale entre le matériel et ton hyperviseur. Et il va péter ton serveur. Une autre attaque, ça consiste à injecter un hyperviseur virtuel entre l'hyperviseur et le système d'exploitation. On a une attaque qui s'appelle Cloud Skulk. On a l'échappant. Je vous dis le jailbreak. Vous croyez que quand vous jailbreakez, vous, quoi? Installez un système d'exploitation avec le root sous iOS, hein, sous Android. Oh super, j'ai jailbreaké mon téléphone. Mais tu oublies que cette expression de jailbreak, nous, en cybersécurité, en hacking, c'est tout simplement s'échapper d'un système qui est protégé. D'accord? C'est pareil, tu vis dans la matrice, toi, tu es un être humain dans un système protégé. Essaye intellectuellement, même si ça va devenir de plus en plus compliqué de le faire physiquement, de t'échapper de ce système protégé. Commence à penser en dehors de la boîte. Vois le monde réel qui t'entoure. Comment toi, en t'armant intellectuellement, tu pourras déjà comprendre tes propres limites, tes propres carcans, tes propres modes de pensée, tes chaînes de pensée, et voir que finalement, le monde que tu connais pas grand-chose. D'accord? Et heureusement, il y a des gens qui sont là pour t'éclairer. Et toi-même, tu emprunteras le même chemin, le même courant philosophique, tu deviendras sceptique sur tout ce qui t'entoure, pour mieux comprendre, te poser des questions, hein, et pas rester sur tes acquis. Sinon, intellectuellement, tu n'évolueras jamais. Donc, l'hyperviseur escape, ben c'est ça, c'est un exploit exécuté à partir d'un système d'exploitation invité qui accède à l'hyperviseur, ou un autre système d'exploitation invité, ou matériel bare metal. OK? Moi, si j'étais une agence de renseignement et que j'avais pas envie que des gens puissent utiliser Tor de façon convenable, qu'ils utilisent Cubes, qu'ils utilisent WOMIX, mais ça serait parfait. Je créerai en laboratoire ce type d'attaque pour que je continue d'avoir accès à l'ensemble des ordinateurs de la planète Terre. Et quand tu commences à utiliser WOMIX
quand tu utilises du bare metal, quand tu commences à utiliser le Tor, quand tu commences à utiliser tous les réseaux décentralisés, d'accord? Tu commences à mettre les bâtons dans les roues, hein? Tu vas pas les bloquer, hein? Ils sont bien plus puissants que toi, hein? Je te dis, c'est les magiciens. Toi, t'es le petit moldu. Tu comprends rien à la technologie, d'accord? Mais tu commences à leur mettre des bâtons dans les roues. Toutes ces techniques permettent justement, hein? Tu utilises Qubes, eh ben peut-être Qubes, on va pouvoir l'attaquer. C'est peut-être le système le plus sécurisé de la Terre qu'on connaisse, je pense, comme la NSA, hein, a toujours une porte d'entrée dans le système. C'est leur métier. On les paye pour faire ça. Tu vois, contrairement à toi. Tu comprends? Ensuite, on en parlait, certains se reconnaîtront, les fameuses attaques par canal auxiliaire. Alors, c'est quoi ce système? Lorsqu'un système d'exploitation invité exploite des failles matérielles de processeur ou d'autres vulnérabilités pour extraire des informations d'un autre système d'exploitation invité qui va s'exécuter sur le même matériel, on va faire des attaques de EMI, hein, on va capter des fréquences électromagnétiques, on fait, là, on rentre dans le monde militaire, du renseignement type Tempest, dont je vous ai déjà parlé. On va faire des side channel attack, on va faire des timing attack, et ton processeur, dans certains types de fonctionnement, va faire fuiter, hein, certains courants de crête, certaines consommations à la prise, d'accord? Certains grésillements, bourdonnements, perturbations électromagnétiques qu'on va pouvoir capter via des senseurs et analyser tout simplement l'activité de ton processeur. Ton processeur, quand il travaille sur des flottants, il fait pas le même bruit, entre guillemets, électromagnétique, que quand il travaille sur d'autres types d'opérations. D'accord? Quand il est en train de taper dans des clés de chiffrement, accéder à son cache, L1, L2, L3, L4, il fait pas le même bruit que quand il lance un jeu vidéo. Quand tu lances un jeu vidéo, il fait pas le même bruit que quand tu utilises une base de données. Je résume très trivialement, hein, je vulgarise, que vous compreniez bien. Toi, ton souffle, ton cœur, ta pression artérielle, elle n'est pas la même quand tu es à la piscine, quand tu cours, tu fais un sprint, ok? Ou quand tu es devant YouTube, ou quand tu dors, d'accord? Tes ondes cérébrales, alpha, bêta, elles sont pas les mêmes, d'accord? Ton rythme circadien, ta pression artérielle, ton cœur, tes poumons, ta circulation sanguine n'est pas la même en fonction de l'activité physique, intellectuelle que tu as. Et ben là, c'est pareil. En analysant ça, comme le ferait un médecin, on peut déduire les types d'opérations que tu es en train d'effectuer. D'accord? Donc les attaques par injection d'hyperviseurs contre les systèmes d'exploitation bare metal, elles sont finalement relativement triviales à réaliser. D'accord? On a vu qu'on a toujours essayé de complexifier le micro-logiciel, le chipset, ça a rendu cette exploitation plus compliquée que par le passé, certes. Mais je vous disais les attaques de type CloudSkull, qui injecte un VMware dans un environnement déjà virtualisé, ça existe. Et l'environnement de cloud computing d'aujourd'hui, eh ben, c'est une préoccupation croissante pour les gens comme nous qui travaillons en cybersécurité. On ne veut pas qu'il y ait de telles attaques qui soient rendues possibles. D'accord? Donc ça, faut bien le comprendre. D'accord? Tout ce qui est exploit SSL, BIOS, rootkit, bootkit, d'accord? C'est le pire pour nous. D'accord? Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Je vous mettrai des ressources. Mais on a des petits soucis. Hein. Il se passe beaucoup de choses et parfois des connaissances qu'on n'a pas. Oh, moi, un Virtual Machine Based Rootkit, un VMBR, je savais pas que ça existait. Et ben maintenant, tu le sais. Hein, je te parle tout le temps des bootkits, des rootkits. Mais c'est une famille. Dans le bootkit, dans le rootkit, il y a d'autres sous-disciplines. Hein? Et tu vois qu'il y en a un qui est basé sur les machines virtuelles. Donc, tu pourrais installer un système d'exploitation qui a été modifié par les agences de renseignement. Toi, on t'a dit que Snowden utiliser ce type de distribution, tu l'installes sur ton ordinateur, tu tournes avec Libreboot, tu dis putain j'ai désactivé Management Engine, pas de chance,
Tu te bouffes à nouveau une porte dérobée des agents de renseignement. Ok. Mais c'est bien. Ils font bien leur boulot. Ils sont bons. Ils sont très bons. C'est même les meilleurs au monde. D'accord? Donc voilà. Faut penser à tout ça. Et si t'es pas au courant de tout ça, bah, tu sais même pas que ça existe et tu vis dans un monde de bisounours. Non, mais voilà. C'est comme ça. D'accord? Donc, je vous mettrai une liste compréhensive, hein, d'exploits non exhaustifs, hein, puisqu'on en apprend tous les jours. Moi-même, j'en apprends tous les jours. Mais on a des attaques connues, hein, des vulnérabilités connues. Donc, si on en revient aux canaux auxiliaires, hein, qui permettent de faire transiter de la donnée, un signal, en tout cas, hein, qui sera interprété, puisque intrinsèquement, dans vos périphériques, on a trois types de signaux, hein, qui sont synchronisés par des horloges qui permettent le bon fonctionnement de vos composants informatiques. D'accord? On a également des preuves de concept, hein, qui ont été développées maintes et maintes fois sur des attaques de canal auxiliaire. Je vous mettrai, mais vous en avez entendu parler, Meltdown, Spectre. Ça, c'est les attaques les plus récentes. Bref, on en a plein, hein, des attaques de canal auxiliaire, honnêtement. Donc voilà, encore une fois, si on ne connaît pas, bah, ça n'existe pas. Et puis le jour où tu te rends compte que bah, il y a Spectre, il y a Spectre, il y a Meltdown, eh ben là, tu commences à te poser des questions. Je vous redirige constamment sur l'unité de Grasse. Hein. On a l'université d'Hambourg. On a l'université du Maryland de Pennsylvanie. Et on a le Google Project Zero. C'est en faisant de l'OSINT à cet endroit-là que vous allez récupérer les meilleurs papiers pour comprendre comment fonctionne ce type d'attaque et pourquoi mon antivirus ne sert à rien. D'accord? En tout cas, pas pour ce type d'attaque. Donc voilà, je vous mettrai des papiers à les lire. Hein. Donc, encore une fois, donc les attaques par canal auxiliaire réussi dépassent probablement la capacité de tous les acteurs, hein, sauf des acteurs étatiques. Donc, renseignement militaire et renseignement fédéral, type NSA. Hein, la NSA fait pas partie de l'armée. Elle travaille conjointement avec l'armée. Mais beaucoup d'acteurs civils, hein, c'est pas des militaires qui travaillent à la NSA. D'accord? Donc il faut toujours dissocier, si on parle des Américains, hein, du renseignement étatique, fédéral, civil et militaire. Les deux se conjuguent, mais ce ne sont pas les mêmes agents. D'accord? Donc c'est qu'une question de temps. C'est ce que je vous disais avant que ces exploits qui sont à la pointe de la technologie deviennent disponibles et puissent être achetés. Le fameux marché qui engendre des centaines de milliards, voire des centaines de milliards de dollars chaque année sur le dark web, le monde de la vente des 0D. Donc toutes les classes par hyperviseur sont un problème critique dans le cloud computing. Hein, je soutiens qu'il est impossible de sécuriser adéquatement tout système de cloud public traitant des informations sensibles. Ok? Donc tous les gens qui, regardez, on est en train de promouvoir une identité numérique, tout ça sera stocké dans du cloud et tout ça. Non seulement vous allez vraiment vivre dans la matrice, on aura une trace, hein, vous serez des esclaves numérisés, mais en plus toutes ces données, on va pouvoir les faire fuiter, ça sera espionné. Et ça pose de gros problèmes. Hein. Donc je vous mettrai des articles. N'oubliez pas que les hyperviseurs sont des logiciels, même s'ils tournent en dur parfois, et ça n'ont plus besoin hein, de l'OS. Hein, on a vu ce principe entre hyperviseurs type 1, type 2. Tous les logiciels ont des bugs. Tous les êtres humains qui codent ces logiciels ont également des bugs. OK? Vous ne pouvez pas supposer que l'hyperviseur n'est pas exploitable. Posez-vous toujours la question, regard critique et analytique, comment ce logiciel peut-il être utilisé contre moi? Alors, on va revenir un petit peu sur les modes de gestion système. Pour attaquer du SSM, vous devez attaquer le firmware, d'accord? Donc on a des exploits à SSM, on a trouvé 127 failles ces 8 derniers mois. On appelle ça des rootkit BIOS ou bootkit. Avec les verrouillages hein, au niveau du range SSM, notamment du processeur de démarrage, on a de nombreuses attaques contre
micro-logiciels qui sont devenus plus difficiles. Hein? On a Bootguard, on a plein de technologies qui nous permettent un tant soit peu de protéger tout ça. Cependant, sur de nombreux systèmes, un attaquant qui peut accéder aux paramètres de configuration du micro-logiciel a le potentiel de désactiver ses protections. Je vous ai dit, j'ai modifié, j'ai retiré l'Intel Management Engine, mais il fallait que je puisse travailler dans les ranges, hein, les registres directement sur le processeur du SSL. D'accord? Ça, on m'a proposé maintes et maintes fois, notamment des Russes, de modifier le BIOS. Je sais qu'ils voulaient injecter des bootkits, des rootkits. D'accord? La plupart des sites où on vous apprend à faire ça, vous trouverez des black hats, des agences de renseignement qui vont vous dire, mais t'inquiète, tu veux accéder aux fonctionnalités de, hein, de overclocking sur ton portable? Laisse, je vais débloquer ton BIOS. T'as bien compris que les cybercriminels qui travaillent parfois pour les agences de renseignement vont te modifier ton BIOS et tu vas te faire poutrer ta machine via une APT qui est indétectable. Allez, bienvenue au club. D'accord? Donc voilà, partez toujours du principe, ben moi avec mes connaissances, je sais que j'utilise du matériel qui n'est pas sécurisé, quand bien même je fais du hardening, je sais qu'à tout moment on m'espionne, je sais que ce matériel je le prends, je le jette. Ok? Je me fais pas d'illusions. C'est pas dans 20 ans où j'aurai 20 ans d'expérience de plus que moi en tant que citoyen, je pourrais lutter contre les agences de renseignement. Ok? Croire ça, c'est mal connaître leurs capacités. Ok? Donc voilà, je vous mettrai des présentations sur les rootkits UEFI, Myth et réalité, c'est une conférence Black Hat. On en a un peu partout dans le monde, hein, du Black Hat. Là, c'était en Asie, en 2017, et ça vous fournira un bon aperçu, hein, des exploits SSM qui ont été, depuis 5 ans, relativement récents. Hein. On a l'OJAX qui attaque UEFI, L-O-G-A-X. Allez voir les bootkits. Je vous ai dit que plus vous allez évoluer en cybersécurité, plus vous allez voir que les Black Hat travaillent en bas niveau. L'OJAX, c'est le meilleur exemple. Ok? Pourquoi aller attaquer le ring 3 ou ring 0 quand je peux commencer à attaquer du moins 1, du moins 2, du moins 3, du moins 4? Ok? Donc ma plus grande préoccupation, c'est les bootkits OE. D'accord? On l'a vu, j'ai moi-même des ordis à la maison, j'en ai plusieurs. Et non, celui que je te montre sur YouTube, c'est pas celui que j'utilise. Hein, pour les gens qui se posaient la question. Petit clin d'œil, vous reconnaîtrez sur le Discord. Et ces fameuses failles SSM, hein, on a trouvé 127 failles ces 4 derniers mois. Il y avait plus de 60 constructeurs impactés. Alors c'est quoi? C'est peut-être des portes dérobées EOM, parce que eh ben, programme Bullrun, programme Prism de la NSA, on pousse les agences de renseignement, poussent les fabricants à installer ces bootkits. Ces bootkits, d'accord? Comme tous les logiciels malveillants SSL, ils seraient pratiquement indétectables, sauf peut-être en sniffant les paquets réseau, d'accord? Puisque le SSM, à la limite, tu peux avoir des indicateurs de compromission en regardant ton trafic réseau. Le Management Engine, oublie, c'est indétectable. Tu vois même pas le trafic réseau. Tu pourras pas le voir, d'accord? Donc toi, ton pouvoir, en tant que citoyen, hacker, chercheur en cybersécurité, il s'arrête au SSM. Hein? Si tu regardes un petit peu ce que je t'ai dit, tu te rappelles que le SSM, c'est quoi? C'est le ring moins 1? Non, c'est l'hyperviseur. C'est le ring moins 2. Et je t'ai dit quoi après? Ben, il y a un ring moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11. Donc tu vois que t'as que la moitié des cartes en main. Et tout ça, ça peut être utilisé contre toi. Tout ça, on peut s'en servir. Donc pose-toi les questions légitimes. D'accord? Donc, puisque le malware a été installé par le fournisseur, aucun vecteur d'attaque pour accéder à la modification du firmware n'est requis. Hein? On a un insider qui travaille chez HP, Acer, ce que tu veux. Eh ben, il va pouvoir accéder. Hein? C'est lui-même qui a implémenté, on lui a demandé la porte dérobée. Il pourra créer des exploits pour attaquer. Même pas besoin de vecteur d'attaque, en fait, il connaît la porte dérobée. Hein? Des fois, c'est des mots de passe codés en dur,
directement. C'est n'importe quoi. D'accord? Donc on a des fausses potentielles contre l'exploitation SSM non EEM, qui est généralement très efficace. La plupart des exploits SSM nécessitent que le micro-logiciel soit reflashé pour installer le logiciel malveillant. On a de nombreux systèmes de bureau, de serveurs qui ont un cavalier physique sur la carte mère, hein, où vous pouvez désactiver le flashage, hein, du firmware. Des fois, parfois, on fait un court-circuit avec la carte réseau, la carte son, pour pouvoir flasher le firmware. Hein, c'est une technique qui est utilisée pour virer l'EME sur les vieux processeurs, notamment. D'accord? L'Intel Management Engine. Mais posez-vous la question. D'accord? Combien de fois tu vas reflasher ton firmware? Moi, j'ai un ordinateur que j'ai acheté il y a 2 ans et demi. J'ai dû, parce que je suis consciencieux, parce que je travaille dans le métier, j'ai reflashé, je crois, 12 BIOS différents en 2 ans et demi. Parce qu'on a trouvé plein de failles. D'accord? Imagine-toi qu'il y ait une attaque de supply chain. D'accord? Dans un des 12 BIOS, ben, il y a peut-être un cerf. Il y a peut-être le inside, hein, qui a été compromis, le fabricant de BIOS. Et j'ai des Chinois, des Russes ou autres, mes propres services de renseignement, qui savent que je fais des vidéos sur YouTube, qui commencent à se renseigner sur moi, qui ont poussé une attaque. D'accord? Moi, légitimement, je mets à jour mon ordinateur. Ça y est, ils sont dans mon système. C'est ce qui se passe tous les jours. OK? Bon, les plus gros hackers aux États-Unis ont eu des attaques de supply chain. Hein, ils commandent un PC sur Amazon. Entre-temps, il y a la NSA, le FBI, qui envoie ses plus fins limiers, ses techniciens. En 2 heures, ils démontent l'ordinateur, où ils ont fait une copie de l'ordinateur, exactement le même modèle, mais avec des parts matérielles. OK? Ils ouvrent les cartons, ils referment les CD. Ils ont la technique pour faire tout ça. Ils renvoient l'ordinateur. D'accord? Ton colis, il arrive avec 2 heures plus tard. Toi, tu le sais pas. Hein? T'as même les CD, hein, qui te prouvent que l'ordinateur n'a pas été démonté et tout ça. En fait, t'inquiète, les agences, t'es rentré dans leur petit papier. Tu t'es fait plein d'amis à parler de sujets. Hein, comme ça. Hein? Moi-même, je suis sûr, je me fais plein d'amis. Hein? Je les connais pas, mais je leur fais un petit coucou. Je suis sûr qu'ils nous regardent. Hein? Parce que moi, je suis pas dupe non plus. Donc voilà. Le SSM, c'est un logiciel. Hein? Tous les logiciels ont des bugs, donc on peut supposer que le SSM est exploité. D'accord? Comment il peut être utilisé contre moi? Toutes ces techniques, vous devez constamment vous poser la question. Le moteur de gestion. D'accord? On a vu qu'on avait des failles dans le moteur de gestion Intel. Des vulnérabilités parfois corrigées, divulguées, et des fois qui ne l'étaient pas. Et on voit des fabricants qui, parfois, font le nécessaire, ne font pas. Hein? J'ai des failles intrinsèques dans mon PC portable Acer. Le fabricant, depuis 1 an, ne fait rien. Parce qu'il veut que tu rachètes un nouvel ordinateur. Acer, vous êtes des gros connards. OK? Et il y en a d'autres. Donc voilà, logiciel malveillant de vol de données détecté à l'aide d'outils Intel AMD, hein, pour contourner le pare-feu. Les utilisateurs non authentifiés qui peuvent accéder à distance à l'interface web de l'Intel ATM. Bug de divulgation d'informations critiques dans le moteur de sécurité Intel et AMD. Tout ça, c'est tous les jours. Mais si tu t'intéresses pas au sujet, tu vas dire, ah ouais, je suis en sécurité, tout va bien. Mais non, non. OK? Donc je développerai, il y aurait tellement à dire, mais je voulais vous faire cette vidéo pour que vous preniez conscience, hein, de ces techniques qu'on peut utiliser dans le renseignement, ces techniques de très bas niveau et qui sont extrêmement puissantes. D'accord? Et le seul bug dans ME, eh ben, c'est de croire, et c'est toi le bug, c'est toi la faille, de croire que tu vis en sécurité, que tu n'es pas espionné, alors que ton ordinateur, il est déjà piraté, même lorsqu'il est éteint. Et c'est pareil pour ton téléphone. D'accord? Donc, pour quiconque se lance dans les piratages de bug bounty, le moteur de gestion Intel, les processeurs de sécurité de plateforme AMD, c'est une mine d'or. OK? Qui n'attendent que d'être découvertes. Hein, en anglais, on parle de hanging fruit. Hein, les fruits qui pendent. T'as juste tendu la main pour les récolter. N'oubliez pas que ce qui fonctionne dans le ME est un logiciel. Même si ce sont des portes dérobées matérielles. D'accord? Lui-même, le logiciel ME a des bugs. Et vous devez supposer que l'EME est exploitable. D'accord? Posez-vous toujours la question, comment ce logiciel peut être utilisé contre moi? D'accord? Et est-ce que je sais quel logiciel fonctionne dans ME? La réponse, c'est que tu sais rien.
Ok? Deviens sceptique. Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Hein? Je vous laisserai chercher le reste de la phrase. C'est ce que disait Socrate en substance, il y a plus de 2000 ans. Eh ben, on a ce même raisonnement. Okay? Tous les autres gens, ils vont t'expliquer comment ça fonctionne. Ils savent pas. Et toi, plus tu creuses, plus tu te rends compte de tes propres lacunes sur le sujet et qu'il y a un monde que tu ne connais pas. Et tu ne peux pas le connaître, puisqu'il est de par nature invisible, opaque. C'est le monde souterrain, l'underworld, comme on l'appelle. Et ça fonctionne dans l'économie, au niveau de la société, au niveau de ton matériel. Il y a un monde souterrain que tu ne connais pas, ok, et qui est invisible pour toi. Donc la détection, si on parle un peu cybersécurité, le nœud du problème avec les attaques en anneaux négatifs, c'est qu'on peut pas les voir, d'accord? Ils sont essentiellement indétectables à partir des anneaux numérotés positifs, d'accord? Donc le moins contrôle le plus, et le zéro fait le tampon, d'accord? Il existe quelques façons indirectes de déterminer si vous avez été pruné, ok? Pété. Mais encore moins de façons directes, ok? C'est au fil du temps, vous allez voir qu'il se passe des choses bizarres, mais jamais t'auras ton antivirus qui va dire « Ah, on a détecté, hein, quoi, une menace qui est invisible pour ton antivirus? Vas-y, fais-moi rigoler. » Donc on a des méthodes directes et indirectes hein, qui s'appliquent à certains petits groupes d'exploits. Le pari le plus sûr est de supposer que vos outils anti-malware ne peuvent détecter aucune attaque qui se passe dans le ring négatif. D'accord? De 0 à moins 5. Il y a exactement aussi un autre moyen qui a une chance peut-être de détecter si vous avez été compromis, je vous dis, c'est sniffer. Vous devez sniffer constamment votre réseau, votre trafic, mettre en place des EDR, des XDR, d'accord? N'importe quelle interface réseau physique peut servir pour exfiltrer des données, pour connecter au monde physique, la matrice, Internet, un ordinateur qui est AirGap. Hein, je vous ai dit, je vous ai donné plein d'exemples, mais on peut modifier les accéléromètres, donc vos téléphones peuvent être des micros, ok? Toi-même, ton casque peut servir de micro, d'accord? Vous avez jamais fait ce test, vous prenez des écouteurs, vous parlez dans les écouteurs, dans un des écouteurs, et en fait ça marche, on peut s'en servir comme un micro. Je vous ai parlé du Tempest, en fait. Non seulement on peut espionner à travers les murs, à distance, les ondes électromagnétiques et récupérer des messages, des clés de chiffrement à distance, non seulement la technologie des puces, on peut les modifier pour vous espionner, d'accord? Donc c'est vraiment important. Donc on a des mots-clés, d'accord? Le physique, la surveillance des réseaux virtuels, elle est insuffisante. ME peut divulguer des informations via votre réseau et aucun niveau de surveillance du réseau virtuel ne détectera tout et n'importe quoi, d'accord? Tout le trafic via n'importe quelle interface réseau. Pour faire autrement, si vous laissez des trous dans la raquette au niveau de votre sécurité qui sont assez grands, eh ben même un porte-avions pourrait passer sans être détecté, d'accord? Quel que soit votre environnement, les seuls moyens efficaces de détecter des violations sont la surveillance du réseau et la sécurité physique, d'accord? Ou la sécurité de menace de sécurité physique et l'initié malveillant, l'acteur malveillant. D'accord? Il y a que comme ça. Le reste, tu peux pas savoir. Tu peux empêcher quelqu'un d'accéder physiquement à ta machine, à ta B-server, à ton PC portable, à ta tour. Tu peux surveiller le réseau. Mais tout ce qu'il y a entre, c'est pas sous ton contrôle. Et c'est ça le plus dangereux. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là. J'ai plus de souffle. Mais je voulais vraiment vous faire cette série de vidéos pour vous sensibiliser, pour vous sortir de votre torpeur intellectuelle, pour comprendre qu'on vit dans un monde de moins en moins sûr, que les cyberguerres, ça existe, que les cyberarmes sont développées contre les populations civiles et à des fins de tactique, stratégie, géostratégie, militaire. Ok? Donc pour résumer, ce qu'il faut aller retenir, c'est que tout ce qui fonctionne dans chacun des anneaux négatifs est un logiciel. Vous devez supposer que le logiciel de l'anneau négatif est également buggé, exploitable. Vous devez surveiller votre trafic pour détecter des paquets en mode escroc provenant de logiciels exploités, des anneaux négatifs. On a trois niveaux de privilèges conceptuels qui ont des privilèges supérieurs à ceux du noyau d'exploitation. On a l'hyperviseur en moins un,
On a le mode de gestion du système SSM-2 et on a la porte dérobée de la NSA, l'EME, Intel et AMD qui portent un autre nom. D'accord? Contrairement aux anneaux de protection numérotés positifs, hein, les plus 1, plus 2, plus 3, on a les minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Ok? Ils sont désignés mesures de protection matérielle. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Les anneaux numérotés négatifs n'indiquent pas de niveau de protection. Au lieu de cela, ils indiquent un niveau de privilège relatif. Où plus le nombre est bas, plus il est négatif, plus le niveau de privilège est élevé. D'accord? Donc, je te dis, c'est comme un effet miroir. On t'a appris en informatique le ring 3, ring 2, ring 1, ring 0. Ça, c'est la partie gauche. Vois-le, maintenant la partie droite, le monde invisible, le monde souterrain, hein? C'est comme Stranger Things, hein? Les enfants, ils sont dans leur monde. Puis après, ils se rendent compte qu'il y a un autre monde qui est à l'envers, un effet miroir avec des monstres. Ok? Moi, j'essaie de vous montrer les monstres, comment ils fonctionnent. Donc, les hyperviseurs sont des logiciels qui démarrent en mode hyperviseur spécial, VMX, qui permet des instructions spéciales utilisables uniquement par l'hyperviseur. L'hyperviseur, il co-réside dans l'anneau zéro avec des noyaux invités qu'il gère. Je vous avais dit VMX root, VMX non-root. Je vous redirige vers les précédentes vidéos que je vous mettrai en description. Un hyperviseur s'exécute avec un niveau de protection spécial, appelé VMX root. Je vous en avais parlé, qui va isoler les autres processus de l'anneau du ring zéro. Les systèmes d'exploitation s'exécutent avec le niveau de protection VMX non-root et les isolent de l'hyperviseur et d'autres processus en ring 0. Le SSL, il est chargé par le microprogramme de démarrage, il verrouille dans une mémoire inaccessible par un hyperviseur ou un système d'exploitation. On commence à rentrer dans le monde des portes dérobées matérielles. La mémoire dans laquelle elle réside semble disparaître de la mémoire réelle disponible. La magie noire. SSM peut exécuter dans un état de processeur spécial qui rend son exécution invisible à tous les autres logiciels exécutés sur le processeur. Ton antivirus en fait partie. Le monde des magiciens. Le moteur de gestion s'exécute sur un processeur distinct sur la puce PCH. Il est toujours en cours d'exécution. Même lorsque le processeur principal est éteint, il a un accès complet à toute la mémoire et aux périphériques. Il a ses propres adresses MAC, IP, sa propre pile TCP. Sans AME fonctionnel, le processeur principal ne peut pas démarrer. Il est invisible pour le processeur principal et son intégrité doit être fiable car il ne peut pas être vérifié par le processeur principal ou par d'autres moyens connus. Le SSM est probablement le plus difficile des trois sous-systèmes à compromettre, mais c'est possible, hein? Ça implique de falsifier avec succès le micro-logiciel du processeur. Et je peux vous assurer que sur certains forums sur lesquels je traite, on a des personnes, généralement venant de l'Europe de l'Est, qui sont à même de faire tout ça. Et ils le font très, très bien. Honnêtement, ils sont capables de vous faire une putain de porte dérobée en un après-midi pour votre bios. Vous allez flasher et c'est le début des emmerdes. Ok? Croyez-moi, c'est l'expérience qui parle. L'hyperviseur, il est probablement plus facile de tous ces systèmes à compromettre. Hein. Il serait plutôt trivial d'injecter un exploit d'hyperviseur dans un système d'exploitation. D'accord? C'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a des gens qui ont rigolé. Je vous ai dit, moi, j'aime pas trop Vulnerable. Hein, Vulnerable, c'est quoi? C'est des VM qui te permettent de faire des CTF. Et voilà. Si dans la VM, tu as un exploit d'hyperviseur, tu télécharges ta machine Vulnerable, tu te la montes dans VMware, VirtualBox, ce que tu veux, tu vas te faire pirater. Tu vois? Et toi, tu débutes, tu fais des CTF en cybersécurité. Qu'est-ce que tu connais de l'informatique? Tu connais rien. T'inquiète. Dans 20 ans, peut-être, tu vois, quand tu auras mon âge, on en reparlera, gamin. D'accord? Donc voilà, les systèmes d'exploitation qui s'exécutent en tant qu'invité dans un hyperviseur légitime, eh ben ouais, c'est compliqué. Ouais, ça peut t'attaquer. D'accord? Les ondes électromagnétiques, on peut s'en servir pour faire des attaques de canal auxiliaire. Et l'EME semble potentiellement de toute façon ouvert
à une exploitation simpliste. Hein. Le compromettre, ça serait certainement le tout le système le plus mortel, hein, en termes de pouvoir pour un hacker à exploiter. D'accord? Donc je m'arrêterai là, j'en peux plus. Je pense que j'ai assez développé. J'ai essayé d'être incisif, de vous choquer le plus possible. Pas pour que vous vous dites, putain, un saltimbanque, c'est un sale con. Ça, vous le saviez déjà. Pour que vous vous remettiez en question. Et que vous vous dites, putain, mais c'est fou, cette histoire. Et tu dois le prendre en tant que tel. Tu dois pas prendre pour argent comptant ce que je te dis. Va voir les sources que je vais te donner. Et creuse, creuse par toi-même. Fais ton OSINT. Fais ton Intel Data Gathering, ton recueil d'informations. Pour voir que tout ce que je te raconte, c'est vrai. C'est pas des élucubrations d'un esprit malade sur YouTube, hein, qui cherche à faire du sensationnel. J'essaie de vous ouvrir les yeux. OK? Hein, là, pour une fois, comme Morpheus. Là, par contre, je t'apporte que la vérité. Et je te conseille d'aller creuser, petit Padawan. Sinon, tu vas être comme tous les autres. Tu vas vivre dans la matrice.